lâcher ça tout de suite ou j'appelle la police. Hey, relax, man, c'est moi, T.O. Chill. Procurer une toile grand format de l'artiste Valère Hudon pour décorer le hall de l'hôtel de ville. Ils sont fiers en plus, c'est ridicule, faut-tu pas être dedans? Je vois pas ce qu'il y a de ridicule là-dedans. C'est cool qu'ils mettent de l'art dans l'hôtel de ville. Non, c'est pas de l'art justement, le Théo. Valère Hudon, le bonhomme a pas de vision, pas de démarche, il fait du bruit de fond visuel, c'est tout. Quoi, c'est toi son LED? Et c'est fade, là. C'est le genre d'affaire que tu passes devant puis tu l'oublies en deux secondes, là. Ça provoque rien du tout. OK, mais si c'est bien fait pis c'est beau, on est bien obligé de dire que c'est de l'art, non? Non. On peut appeler ça de la décoration si on est généreux. OK, ben comment on est supposé faire la différence entre l'art pis la décoration, d'abord? Quoi? Hein? Rien. Mais regarde, Picasso, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est cute? Non. T'sais, c'est fort, c'est viscéral, c'est essentiel. Le Valère Hudon, c'est de la petite tapisserie insignifiante. C'est un peu flou comme concept, l'art, hein? Chacun a sa propre définition. Mais oui, hein? Y en a qui sont même prêts à dire que la peinture à numéro vaut n'importe quelle toile abstraite, là. C'est déprimant. T'exagères, maman. Non, mais est-ce que vous voulez regarder cette toile un peu? Oui. C'est d'une platitude, là. Je peux pas croire que c'est nos taxes qui ont payé pour ça, là. Ouais, j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé, mais... C'est vrai que c'est un peu drabe. Mais c'est exactement pour ça qu'ils l'ont acheté. Ça plaît à personne, ça déplaît à personne. Comme ça, ils sont sûrs de rien provoquer, hein. Il y a pas de réflexion, il y a pas de réaction. Puis pendant ce temps-là, nous, on peut continuer à être des petits robots sans passion qui écoutent la musique d'ascenseur, qui mangent leur hot-dog, hein, sans chialer, c'est ça? C'est décourageant. Valère Hudon. Il se dégage de ses toiles une paix extraordinaire. C'est tellement harmonieux. À chaque fois que je vois ça, c'est pas mêlant, ça me donne le goût de faire un pique-nique. Ah ouais? Oh mon Dieu, si j'avais seulement le 12e de son talent. Ou encore si j'avais assez d'argent pour m'acheter une seule de ses toiles. Oh, au-dessus de la télé, ça serait super. OK, Frida, dépêche-toi, là, parce qu'on va être en retard. Faut y aller, hein? Oui, oui. Où est-ce que vous allez? Au centre communautaire. Maman a décidé qu'on avait besoin de faire du sport, ça fait qu'elle nous a inscrites à un cours d'escrime. Tu l'avais pas dit. Mais c'était pas une joke, ça? On y va pour vrai. Ça empêche pas que ça va être une grosse joke. Ça va être super le fun. Ça va nous faire du bien là, de bouger un petit peu. Hein? J'haïs ça, le sport. Ça tombe bien parce que l'escrime, c'est pas vraiment un sport. C'est aux Olympiques. Hein? C'est un sport. Mais un sport artistique. Bon, on y va-tu, là, qu'on en finisse. Je vais perdre le moins de temps possible là-dessus. C'est vrai. Parce qu'après ça, aujourd'hui, il faut que tu m'aides avec mon autofinancement. Non. Oui. Non. OK, oui. Oh, oui. T'es engagé à donner du temps à ma gang de coopération internationale. Ben là, c'était juste pour remplir ma feuille de bénévolat pour mon module d'engagement social. J'ai jamais eu l'intention de t'aider pour vrai. T'sais, Frida, c'est plate, mais moi, je t'ai prise au sérieux. Puis là, je compte sur toi. Tu me dois 2 heures. J'ai perdu tout mon samedi avec vos histoires. Frida, dépêche-toi, là! On va être en retard! Moi, je vais préparer une belle boîte de calendrier juste pour toi. Entrez. Je sais, c'est dégueu. Je fais le ménage. J'ai rien dit, moi. Besoin, tu fais exactement la même face que Suzanne. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te parler de notre BD. Tu veux qu'on la continue? Ben, ça te tente. Mais sans que ça me tente. Je trouve qu'on est super bien partis. Ah ouais? Ben oui, pas toi? Ben, je trouve qu'on est trop propre. Ah, ben, parle-en à Suzanne, parce qu'elle a pas l'air de trouver que c'est mon problème. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on choquera personne avec notre BD. Depuis quand c'est ton but de choquer le monde, toi? Ouais, c'est bon. Oh, excuse-moi, hein, je voulais pas... Voyons, Théo, c'est juste un morceau de linge. C'est pas comme si mes seins étaient encore dedans. excuse-moi. Désolé. Bon, tu disais que tu voulais choquer. Ben, pas choquer, mais provoquer une réaction. Quel genre de réaction? Je sais pas, c'est de la job, notre BD. Je trouve ça plate si le monde l'oublie et à la seconde, il arrête de la lire. Puis tu penses que si on faisait quelque chose d'un peu moins... plus dérangeant, les gens s'en souviendraient plus longtemps? Ouais. C'est-tu complètement niaiseux? Non. C'est pas si évident que ça, par exemple. Je veux pas sonner comme Nestor, mais on est plus en 1980. C'est dur de trouver un truc qui dérange le monde. Non, on peut quand même essayer.
OK. Mais toi, qu'est-ce qui te dérange, je pense? Je sais pas. Ah, je sais. On pourrait faire une BD où le personnage principal... Non, laisse faire, non, c'est trop choquant. Mais non, vas-y, là. Je suis là pour ça, le brasser des idées, dis-le. Non, je suis un peu traumatisée. Hey, Rose, franchement, là, j'ai plus 4 ans et demi. OK. On pourrait faire une histoire à partir de grosse paire de seins qui cherche une brassière. Très drôle, hein? Très drôle. Mais quoi? Il paraît que c'est un moyen super efficace de choquer, ça. Mm-hmm. Tu sais, je suis allée au plus simple. Ça va être tout traumatisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Arrêtez-moi ça, espèce de hein, tu vois? Alors, même ceux qui pensent avoir tout vu, là, il y a toujours moyen de les déranger un peu. Ouais, c'est ça. Non, le problème, ça sera pas de choquer le monde, mais ça va être de trouver comment faire ça. Qu'est-ce qui est intéressant puis assez important pour mériter de pas être oublié? Le gaspillage. Ouais, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Je choquerai personne. OK, mais il va falloir faire un brainstorm. Ouais. Moi, je lance des idées, toi, tu dessines. Sors tes crayons. Sors tes crayons. Passe. Tu veux qu'on fasse ça ici? Assis-toi. Ben, c'est un peu le bordel. Assis-toi? Mais non, on peut faire ça chez Sophie. OK. Sur Internet, ça coûte combien un fleuret? Bon, veux-tu, là, on va attendre que t'en aies fait un petit peu plus, hein, avant de dépenser pour de l'équipement? Ah. Maman, hein? Ah. Dimanche matin, il y a un autre cours. Est-ce que je peux y aller? Demain? Obligée de venir, tu sais. Il y avait ça tant que ça? Ouais. Mais-en. Même que je commence à comprendre ce que tu trouves au sport. En tout cas, Dali, que je t'entends plus jamais dire que l'escrime, c'est pas un sport, hein. J'ai plus de cuisses. Ils sont encore là. Je te crois, maman, c'est une blague. C'était si demandant que ça? T'as pas idée. Bon, évidemment, pour ta sœur, elle est plus jeune, hein? C'est plus facile. Mais moi, j'ai des vieux os, là. J'ai plus d'énergie. Je suis vieille. Non, t'es pas vieille pantoute. Ben, c'est vrai qu'il me reste quelques belles années devant moi. Mm-hmm. Mais je sais pas, on dirait qu'au fil du temps, j'ai développé comme des difficultés respiratoires. Maman, c'est Dali qui fait de l'asthme, pas toi. Bon, d'accord, c'est bon, je l'admets, hein, je ne suis pas en forme. Mais si j'avais su, j'aurais le souffle aussi court, là, je vous jure que j'aurais fait attention. Mais là, c'est fini, là, je monte 2-3 marches, puis je suis épuisée, c'est fini, fini. Maman, hein? Tu sais qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre en forme, hein? Si tu veux, tu pourrais commencer aujourd'hui. Mais je l'ai fait, ma fille, je l'ai fait. Mm-hmm. Je me suis abonnée au gym, j'ai pris des cours de baladie, de la randonnée pédestre. Mm-hmm. Pis la paire de rollerblades qui est restée dans l'entrée durant 6 mois, pis qui est encore là? Je sais. On dirait que ça dure 3 jours, pis après ça, je suis tannée. J'haïs trop ça. Non. Mm. C'est parce que tu manques de motivation. Et justement, j'aurais peut-être la solution à ton problème. Oui? Ouais. Viens avec moi. Allez. Oh, un instant, ma fille, j'ai mal aux jambes. On va faire Annabelle qui va changer ta vie. Ah oui, changer ma vie. Puis moi, je vais aller voir dans le garage si je pourrais pas trouver un fleuret pour me pratiquer. Non, non. Toi, tu restes ici. Okay. Quand je reviens, on s'en va au centre vendre ça. Hmm? En attendant, lis ça. Hmm? Tu vas pouvoir répondre aux gens si tu te poses des questions. La fille a fait un pacte avec un designer de mode démoniaque qui lui promet qu'elle va rester sexy pour toujours si... Si elle tue tous les gens qui sont plus beaux qu'elle. Oui. Oui, mais pas juste ça. Non, faut qu'elle leur arrache tout ce qui fait leur fierté. Faut qu'elle les décapite pour avoir leurs cheveux. Ouais, puis là, le designer démoniaque? Ben, Dédé. OK, Dédé, il prend tous les bouts de corps puis il les greffe à la fille. Comme ça, ça fait une espèce de Frankenstein de chirurgie plastique. Oui, comme ça, elle va se ramasser avec les cheveux de sa cousine. Les bras de son ex qui était nageur avant qu'elle assassine. Ouais, puis là, on peut la voir se choisir un nouveau-né au restaurant en regardant ses voisins de table. Puis là, plus l'histoire avance, plus elle est laide, déformée, puis pleine de cicatrices partout. Ben, sauf qu'elle, elle se trouve de plus en plus belle. Ouais. Ben, s'il va y avoir plein de sang dans tous les cas, ça va être dégueulasse. Ouais, puis là, on peut dire quelque chose sur l'obsession des gens qui feraient n'importe quoi pour rester beau et sexy. Hey, je vais la faire lire à Abeille, je pense. Ouais, Abeille, tu seras pas du monde pour rester belle, là. Hey, laisse-lui encore quelques années. Ça va. Mais là, comment on l'a fait, notre fille? Parce que là, c'est ça le problème. Il faut y trouver un truc physique qui changera jamais. Sinon, on la reconnaîtra pas de case en case. Théo, j'attends une cliente, moi, là. Fait qu'il faudrait que vous ramassiez vos affaires puis que vous déménagiez dans ta chambre, s'il te plaît. Hein, le temps que je fasse son programme d'entraînement. Pas de problème. Oh, dis-vous.
bonjour. On va faire ça dans le salon, je vais voir, c'est pas difficile à trouver. Bon. T'es... Ça va bien? Oui, c'est... Oui, oui. Alors... Marc Sylvain, est-ce qu'on peut s'installer ici tout l'après-midi? Yeah! Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, le meilleur? Quoi? Présentement, il y a le groupe de l'âge d'or qui sont venus taper sur des djembés avec Jeanne dans la salle de musique. Puis tu vas aller jammer avec eux? Non, Frida. Et réveille un peu. On est ici pour vendre du chocolat et des calendriers. Pour financer un voyage en Afrique. Si d'aller, j'avais pas encore réussi à l'oublier. Fais juste aller ton hamster un petit peu. Frida, une gang de vieux qui tapent sur des djembés. Ça veut dire des portefeuilles qui veulent juste s'intéresser à l'Afrique et au chocolat. C'est le jackpot! Et tu veux dire qu'il faut qu'on monte tout ça au deuxième? Il y a une tonne d'affaires là-dessus, là, ça va être super lourd. Regarde, je vais monter avec une coupe de calendrier puis des chocolats. Toi, tu restes ici puis tu vends. Hmm? Toute seule. Ben oui, go. Et là, combien de temps? Je sais pas, moi, il est quoi, quasiment midi? On penche jusqu'à 2 heures ta chrono. Ça, t'auras pas besoin de faire une minute de plus pour aider les pauvres gens en Afrique à se payer le gros luxe sale d'avoir de l'eau potable. Bonne chance. Souris. Hmm? Bonne chance, souris. Est-ce qu'ils ont le temps de mettre la couleur aujourd'hui? Non, je pense que je vais finir les planches avant. Je peux pas laisser notre pauvre Joe avec rien qu'une patte. T'as raison. Faut pas empirer ses complexes, elle a déjà bien assez de même. Une chance qu'elle va bientôt avoir les orteils de Jean-Guy. Hein. Oh, ça va y remonter le moral. Ouais. Bon, faut que j'y aille. Susan vient inspecter ma chambre dans 2 heures. Bonne chance avec ça. Ouais, merci, j'en ai besoin. Bye, Sophie. Et bye. De quoi vous parliez? D'une nouvelle BD? Ouais, ça va être écœurant, dans tous les sens du terme. Ça a l'air pas mal fière. Ouais, tu vas voir, là, tu vas capoter. Est-ce que je pourrais l'avoir tout de suite? Je sais qu'elle doit pas être prête, là, mais... Eh oui, je t'emmène ça. Oh, yeah! Tiens, il y a pas encore de couleur, puis les dessins sont pas finis, là, mais tu vois l'idée générale. Ça, c'est juste le début, là. Il va en avoir plein d'autres. L'idée, c'est de montrer qu'à chaque fois, elle trouve le moyen d'empirer sa situation. Parce que tu veux dire que ça devient pire que ça? Oui, c'est juste le début. T'aimes pas ça? Non, Théo. J'aime pas ça. Ben voyons, c'est super drôle. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, au juste? Ben... Parce que je comprends pas, là. Qu'une pauvre madame en jogging tue du beau monde parce qu'elle se sent laide. Excuse-moi, mais moi, je vois pas l'humour, là. C'est sûr, si tu le prends au premier degré, ce qu'on essaie de dire, non, je comprends ce que vous essayez de dire, mais vous le dites d'une manière tellement dure, tellement gratuite. C'est hargneux, c'est violent. Je veux dire, y a pas de nuance, pas de compassion. C'est plein de sang pis d'amputation. Pour être franche, moi, je trouve ça vraiment de mauvais goût. Non, regarde, c'est correct, là, ça va. C'est juste, je te reconnais pas, toi, là-dedans. Non, ça va, hein? Toi, ce matin, là, quand tu disais que l'art, ça devait choquer, si je comprends bien, ça doit choquer tout le monde, sauf toi, c'est ça? Non, mélange pas tout. Parce que toi, quand ça te choque, ça devient du mauvais goût gratuit, c'est ça? Théo, c'est pas ça que non, j'ai non, dit. Non, maman, je pense que je vais aller prendre l'air un peu, hein? Ça va me calmer. Je dois pas me mettre à me dire des choses dures pis sans nuance, hein? D'un coup, tu me reconnaîtrais plus. Fabriquer un fleuret. Oui. Pratiquer entre les cours d'escrime. Oui. C'est beau, là, mais fais attention de pas accrocher les yeux de quelqu'un avec ça, ma grande. En garde! Oh, C'est quoi, ça? C'est un fleuret. Je l'ai fabriqué avec des vieux cintres. Hey, on peut vraiment te faire confiance, toi. Quoi? Je suis restée derrière la table. Oui, peut-être, mais tu l'as transformé en station de bricolage.
Personne ne va acheter tes cochonneries de toute façon. Des cochonneries? Puis c'est sûr que si tu présentes ça comme ça, ça m'étonne pas que t'aies rien vendu. Je fais ce que je peux. Tu peux pas faire, me semble. Bon, Dali, fais attention à comment tu lui parles. Hein? Maman, t'es pas censée être au gym en train de t'entraîner avec Reda? Oui, oui, mais je m'étais arrêtée 2 minutes. Non, justement, t'avanceras à rien si tu continues de paraisser comme ça. Mais voyons, depuis quand tu nous parles sur ce ton-là, toi? Excuse-moi, maman, mais ça sert à quoi de payer Reda si tu fais rien? Merci. Hey, où c'est que tu penses que tu t'en vas, toi? Il est 1h30, mon 2h est presque terminé. Non, non, non. T'as rien fait, t'as rien vendu. Moi, j'ai des personnes du groupe de l'âge d'or qui sont en pause et qui veulent du chocolat. Je remonte en haut. Encore? Oui. Puis quand je vais revenir, je veux que la table soit exactement comme avant. Qu'est-ce que tu fais d'escrime? Oui, j'ai eu mon premier cours ce matin. C'est archi cool. Tu devrais essayer, c'est vraiment ton genre. Ah ouais? Puis il paraît que les joueurs d'échecs sont super bons là-dedans. Tiens, c'est mon fleuret. Ben attends, là, ça te prend un adversaire. En garde! Oups, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave, là. Hein? Elle a exactement le même kit de jogging que ma mère. Ouais. Puis elle a même le petit bandeau poche qui va avec. Ouais, on s'est juste inspiré de... Qu'est-ce qu'elle fait avec la scie électrique? Elle lui arrache la tête. Ouais. Aïe, il y a plein de sang partout, c'est donc bien poqué. C'est tellement pas le genre de ma mère. Ouais, ben justement, hein, c'est pas elle. On s'est juste inspiré de ses vêtements, là. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'autre fille? Elle lui mange les yeux. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est de ma faute, là. J'ai foncé dans ta... Frida, ça te tentait pas de les ramasser? C'est ça que je suis en train de faire. Ah oui, non, t'es pas en train de faire ça, t'es en train de lire une BD de Fléau. C'est pas Fléau, ça? Non, justement, mais c'est pas fini. Non, non. Moi, je trouve que ça ressemble plus à ma mère qui arrache la tête du monde puis qui se baigne dans leur sac. Ben non, c'est pas Jocelyne. C'est pas Jocelyne. OK, elle s'appelle Jo. Est-ce que tu me prends pour une épaisse? Oui, mais c'est plus un hommage, hein, parce qu'elle... Non, non, pas elle, c'est ses vêtements. OK, un hommage. Toi, t'appelles ça un hommage. OK, arrête pas de baver. Elle pète à casse-quatre. Wow. Mais ça, c'est drôle, par exemple. Frida, c'est pas drôle du tout. Là, il est en train de rire de nous autres et de notre mère. Mais non, moi, je l'aime, Jocelyne, hein. Je la trouve... Théo, je m'en fous de comment t'as trouvé. Je reviens pas que t'aies montré ça à Frida. Et c'est quoi, là, ça te donne un petit kit de lui montrer ta chenousse sans qu'elle s'en aperçoive? Mais non. Je pense que tu comprends pas. Non, c'est toi qui es trop naïf. Non, mais moi, j'ai jamais voulu insulter ou ridiculiser personne. Je m'en fous, Théo. Je m'en fous. Hein? Frida, aide-moi à ramasser ça ensemble. Non, on n'a pas besoin de ton aide. Si j'ai pas perdu 600 grammes d'eau, là! Maman, nous autres, on a terminé. Est-ce que tu penses que tu pourrais revenir à la maison? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai foncé dans la table. Bon, prête? Oui. Bon, mais merci, Roda. Hein? On se voit dans 2 jours. OK. Bon bain chaud, hein? Ça aide à détendre les muscles. À la prochaine, Théo. Bye. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Dali veut te cracher dessus. Elle est tombée sur ça. J'ai jamais entendu parler de même à personne. Elle l'a vraiment pris personnel. Hey! On dirait qu'elle est habillée comme Jocelyne. Oh. Si tu veux pas revenir, est-ce que je peux m'inscrire 2 fois par semaine? Je veux pas attendre d'en avoir fait un petit peu plus avant de t'embarquer. T'as juste fait un cours. Mais je suis sûre, c'est l'activité idéale. Ça se passe comme les échecs. C'est comme un combat entre trolls. Puis on n'est pas obligé de courir comme des poules pas de tête. Ah, si tu veux que je fasse du sport, c'est celui-là ou rien. Bon, OK, vendu, tu peux t'inscrire. Yes! Faut juste que tu me donnes le numéro de ta carte de crédit. J'ai regardé, puis si on est inscrit samedi et dimanche, le 2e cours est moins cher. Oui, sauf que tu pourrais pas y aller demain, ma chouette. Hmm? Faut encore que tu m'aides avec ma gang de coopération internationale. C'est presque de l'esclavage, ton affaire. Tu devrais pas dire ça comme ça, hein? C'est pas super respectueux pour les Africains qui ont vraiment vécu ça. Je t'ai donné presque toute ma journée. Oui, mais t'as rien vendu. C'est pas vrai, j'ai vendu 1 boîte de chocolat. Ah ouais. À qui? Ben... Ils sont délicieux. Hein? On voit tout de suite que c'est du chocolat équitable. Wow! Bravo, Frida, hein? Direct à la solution de facilité. Exactement le jour où on avait décidé de se remettre en forme. Wow. Ils sont où? Je suis capable d'agir avec modération. Bon. Hein? Manger, c'est pas... ça? Non, pas du tout. Mais ils sont où?
Je fais ça pour ton bien, tu sais. Cherche-les pas, t'y trouveras pas. Elle a peut-être toujours raison, mais elle est fatigante, avoue. J'avoue. Tu m'en laisses. Ce que je veux dire, Théo, c'est que c'est normal que ça choque. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, votre propos, je le trouve intéressant. Hey. J'imagine que si c'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde, ça veut aussi dire qu'on peut pas déplaire à tout le monde. Exact! Je te le dis, continue comme ça, là, tu vas voir. Mais non, Redos, je viens de lui dire, il y a pas 3 heures, exactement le contraire. Ben là, c'est ce que je pense. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Si les parents ont pas de propos cohérents... Mais ça règle le problème, je suis pas son père. Ça veut dire que je peux continuer de dire ce que je pense. Puis ce que je pense, c'est que ta BD, elle est très drôle, OK? Bon, peut-être un petit peu insultante pour Jocelyne, mais... Jocelyne? Oh mon Dieu, Joe, Jocelyne, t'as pas fait ça, Théo? C'est juste ses vêtements. Oh, mais imagine, ça tombe dessus. Ben, si elle tombe dessus, peut-être qu'elle se reconnaîtrait même pas. Ou, OK, elle serait un petit peu choquée, ou... On sait jamais, peut-être qu'elle comprendrait que c'est de l'art puis qu'elle aimerait ça. Non, non, crois-moi, elle serait... J'aime mieux pas me l'imaginer, ça serait épouvantable. Puis pense au tort aussi que ça peut faire à Reda. Ah, ça m'énerve pas, moi. Mais quoi, c'est toi qui dis qu'il faut être cohérent. Ce matin, tu nous faisais des exposés sur la fadeur de l'art, les mangeurs de hot-dog puis le bruit visuel, je veux dire. Non, 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 attends, on s'est mal compris ce matin, là. Quand j'ai dit fade, c'est l'absence de propos que je dénonçais. OK, puis là, tu dénonces le propos. Et la forme. Les deux. OK, mais là, tu peux pas nier que la forme... Merde, pour vrai? Hein, je te jure. La bubliste puis la fumée sortait par les oreilles. Mais je l'aimais, moi, John. C'est plate d'avoir à lâcher une aussi bonne idée. Lâcher? Il n'y en a pas question. T'as pas peur que Dali capote, ça l'apprend qu'on continue? Ah, j'ai pas l'intention de me cacher. Hein. C'est pas comme si on se moquait de Jocelyne. On s'est servi de ses vêtements, là, c'est tout. Dali sera pas contente. Ma mère non plus. Mais si on veut dire quelque chose, il faut accepter que ce sera pas tout le monde qui va avoir envie de l'entendre, là, c'est tout. Non, t'as raison. Puis si Dali capote, bon, on va s'asseoir avec elle pour l'expliquer. Non, même pas. Si Dali, elle l'aime pas, elle a juste à pas la lire. Là. C'est son problème, pas le nôtre. Ah... OK, qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, c'est toi, c'est Théo. Je te reconnais plus. Ah, toi.